Eh bien, salut les amis, c'est Cal, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais vous vous dites, mais what the fuck? Pourquoi il ne respecte pas son rythme? Alors attendez, on va direct aller dans le niveau. Et on commence l'aventure. Ah, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. J'ai eu quelques soucis durant ce week-end, hein, donc week-end du 16 décembre. Donc ça a commencé hier le 15, donc je refais pour la troisième fois cette vidéo. Alors autant vous dire que je suis motivé, hein, parce que refaire trois fois cette vidéo, honnêtement, franchement, putain, faut que je sois motivé. Hein. On va prendre le gland là, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça. Tac, voilà. Alors, première chose, je vais revenir un petit peu sur ce que je disais dans mes autres vidéos que j'avais tournées et que bah, j'ai plus. Enfin, je vous expliquerai un petit peu tout ça, pourquoi. Attends. Donc en fait, voilà, ce qui s'est passé, c'est que, hop, c'est parti, samedi matin, j'avais mon PC, enfin, je veux pas trop vous raconter ma vie non plus, mais en fait, je suis tombé, enfin, mon chien m'a fait tomber avec mon PC dans les mains, ce qui fait que bah, j'ai perdu mon disque dur et HS, donc j'ai perdu toutes mes vidéos de gameplay de Need for Speed. Donc, ouais, mais d'accord, ok, super, ça commence bien. Honnêtement, je suis super heureux parce que ça représente beaucoup, beaucoup de taf. Donc, je vais devoir refaire bah, toutes les vidéos, malheureusement. Et voilà, bon, je vous dis pas que j'ai eu quand même un sacré coup de blues ce samedi, quoi. Parce que, outre le fait bon, que c'est m'écouter un petit peu de blé pour remplacer mon disque dur, c'est vrai que c'est. Putain, j'en ai des étoiles quand même, les gars. C'est surtout le fait de, bah, de devoir refaire des choses que j'ai déjà fait. Comme je vous dis là, ça fait la troisième fois que je refais cette vidéo. Donc c'est quand même assez long. Petite chose que je voulais vous montrer. Donc quand on appuie sur L, voilà, on a la carte. Et vous voyez, on a différents messages qui peuvent apparaître de personnes qui laissent. Alors c'est soit vos amis, soit pas vos amis, vous voyez. Donc là, Koopa qui a terminé avec 3 étoiles, félicitations à toi. Enfin voilà, etc. Donc ça c'est quelque chose que je voulais vous montrer, que je vous avais pas montré dans mes autres vidéos. Et vous pouvez masquer avec le bouton A. Alors comme vous avez pu remarquer, mais autant le laisser, hein, de toute façon. Ça sert à rien. Comme vous avez pu remarquer, donc dans mes vidéos, sachez que toutes mes vidéos Wii U maintenant, elles seront toutes filmées. Donc vous aurez le comment. Oups. Voilà. Vous aurez la vidéo du gamepad et la vidéo putain merde. D'accord, ok, super. Et la vidéo, je vais dire. Super, c'est nul à chier. Et vous aurez donc la vidéo du gamepad et la vidéo en même temps de ce que vous voyez. Comme ça, vous pourrez voir. Parce que je me suis rendu compte que. Bon, on va être clair et net entre nous. C'est vrai que la Wii U, quand même, son gros point fort comparé aux autres consoles, c'est quand même son gamepad. Donc, autant le capturer. De toute façon, bon, là, je fais ça. Les copains, je voulais m'acheter un caméscope numérique. Bon, honnêtement, je voulais m'acheter, en fait, parce que j'ai l'intention de m'acheter un caméscope. J'avais l'intention de m'acheter un caméscope pas trop mal, on va dire. Mais au vu du prix du truc, ça va attendre, puisque la fin d'année a été rudasse, j'ai envie de dire, pour tout le monde. Donc, avec la Wii U qui est sortie, etc. Attendez, je recadre un peu le gamepad. Donc voilà. Donc, et merde. Donc, c'est pas évident, là. Donc là, je suis un peu désolé, je suis un peu en manque de, on va dire, d'inspiration. Parce que bon, quand vous faites une vidéo pour la troisième fois, je vous assure que c'est franchement galère. Voilà, là, je viens de perdre. C'est vraiment... Oh, punaise. Ah, je vous assure, je suis obligé de me maîtriser parce que, bon, c'est pas grave. On va essayer de tracer parce que là, ça sert à rien de perdre autant de temps sur un niveau comme ça. Surtout que je l'ai déjà fait. Par contre, je voulais avoir votre ressenti. Est-ce que vous préférez, bon, pour les vidéos Wii U, enfin Wofu comme ça, j'ai eu plusieurs questions à vous poser, j'espère que vous me répondrez dans les commentaires, les copains. Est-ce que vous préférez avoir des vidéos assez longues ou des vidéos, je dirais, de ce type d'une demi-heure à peu près? Alors, malheureusement, c'est vrai que ça vous propose pas tout le niveau.
Mais ça permet en fait d'avoir une vidéo assez courte. Alors, je sais pas ce que vous préférez, vous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous préférez plutôt des vidéos assez longues qui présenteraient donc tout le niveau, ou des vidéos plus courtes de ce que j'ai l'habitude de faire là-dessus. Bon, c'est vrai parce que là, on fait une demi-heure, on fait la moitié du level. Donc bon, c'est pas... je dirais poursuivre, c'est pas plus mal, mais c'est vrai que après ça dépend de vous quoi. Moi j'aimerais savoir un petit peu, avoir votre ressenti là-dessus, savoir ce que vous en pensez vous. Et savoir bah. Oula. Ouais mais putain, mais sérieux quoi, ça me gave. Voilà, et je pense que. Ouf, ouais. Alors allez, un petit scred. Hop, et voilà. Et non, c'est pas là. D'accord, merci pour le fail. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose que j'aimerais avoir également bah, de votre... mais je peux pas sauter, mais... D'accord, ok. Bon, c'est pas grave. C'est un moindre mal. J'ai retrouvé... Donc là, on a une petite base secrète. On va y aller direct. Donc ça va pas durer très très longtemps cette vidéo. Donc je fais un peu cette vidéo, on va dire un petit peu en urgence. Dans le sens où, bah, c'est vrai que comme j'ai plus de... En fait, là, vous savez que je faisais le walkthrough, donc, bah, de Call of. Donc, il faut savoir que j'ai perdu ma dernière vidéo de Call of. Donc ça, il va falloir que je la retourne. Donc ça, c'est pareil. Donc, niveau spontanéité, bah, on repassera, hein, forcément, puisque... Ah, oh, putain, mais ça, j'ai du mal, là. On repassera, puisque forcément... Je vais devoir la retourner, donc bon, je vais devoir connaître un peu. Donc voilà, donc ça... Pff, oh mais putain, sérieux quoi, c'est inadmissible. Enfin bref, quand vous allez au fond, vous avez une autre pièce étoile. Donc voilà, donc je vais me dépêcher. Ça fait 8 minutes de vidéo... Oh non, ça fait 6 minutes parce que j'ai tourné un peu avec le caméscope. Donc voilà, je récapitule. Je récapitule, donc mes vidéos maintenant Wii U, elles seront faites qu'avec exclusivement le gamepad, puisque c'est une exclusivité, je dirais... Putain, ça m'énerve. C'est une exclusivité, bah, je dirais, de la Wii U, hein, c'est au niveau de son gameplay. C'est quand même une chose importante. Alors, ça, je trouvais ça con, de pas pouvoir le refaire, de pas pouvoir capturer le gamepad. Donc j'ai trouvé une petite solution. Donc là, le seul truc qui me dérange... Waouh, et là, sérieux, c'est chaud, quand même. Je passe, là. En fait, quand vous passez par le bas... Une petite astuce, les copains. Quand vous passez par le bas, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Bon, là, on s'en fout. Hop, tac, tant pis. C'est beaucoup plus simple. Comme vous voyez, quand j'ai pris le tuyau, là, c'est beaucoup plus simple de passer par le bas. Donc, voilà. Alors... Ça, on va publier. Non, on va pas publier. On le fera une autre fois quand on aura fait un beau score. Parce que là, on a fait un score de merde. Hein. Faut pas se cacher. Donc voilà, les copains. Hein. Donc j'étais franchement samedi, j'avais franchement les boules. Déjà, j'ai payé mon disque dur 69 balles. Bah, ça me paraissait un peu cher. Non ! Ouh, putain, je croyais que j'étais mort. Ça me paraissait un peu cher, mais bon, dans le même temps, j'étais pressé de retrouver mon ordinateur. Et ça... Oh, mais sérieux, quoi. Ça, c'est pas normal, hein. Et voilà, quoi. Donc bon, j'ai été acheter un disque dur un peu plus cher que ce que j'aurais pu acheter. Bon, enfin, c'est pas bien grave, puisque le disque dur que je vais récupérer, que j'ai récupéré là, il ira certainement dans la PS3. Je reprendrai un disque dur d'un tera. Alors là, on a l'item le plus cheaté du jeu, hein. Honnêtement. Parce que vous voyez, on peut passer ça comme ça. Et si vous avez un petit coup de blues, hop, on remonte. Et j'ai failli me faire niquer. Alors ça, non, je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo, ça déjà. Donc hop, on est parti. Alors je vous le dis, hein, je vais tracer les niveaux. Après ça dépend hein, aussi de vous. Si vous préférez que je trace les niveaux aussi au lieu que je prenne mon temps, parce que moi j'ai l'habitude de prendre mon temps dans les Mario. Ça dépend de vous quoi, donc à vous de me dire. Donc à vous de me dire si vous voulez que je trace les niveaux, etc. Je vais recentrer un peu le gamepad. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire en moins de 100 secondes. Ouais, on va publier un truc. On va dire, cher Bossware, tu es un petit joueur.
Alors, vous voyez, ça se passe comme ça. Alors, vous avez un écran noir, ce que je vous expliquais. Là, vous me voyez taper au stylet. Donc, ça se passe comme ça quand on décide de publier. Là, on fait OK. Voilà, donc, vous voyez, là, il y a mon blaze, hein, bien évidemment. Là, il y a le nom, le message que j'ai fait. On peut faire aussi un message écrit, comme ça. Donc, ça permet de faire des dessins, etc., etc. Et puis, vous cliquez juste sur envoyer. Donc, là, il vous dit, hein, ce message va être envoyé. Voilà, on fait envoyer. Vous pouvez choisir aussi le mode révélation. Si vous voulez pas spoiler les gens, vous cliquez là-dessus, puis c'est parti. Donc voilà, donc, j'espère que ces petites nouveautés vous plaira je dirais, au niveau du gamepad. Il me semblait franchement important de pouvoir vous apporter ça. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est vrai que la Wii U a quand même un gameplay assez spécifique. Là aussi, je vais le tracer, je suis désolé les copains, mais honnêtement, il n'y a rien à... Ah mais merde, j'ai perdu le truc intéressant. L'item intéressant... Voilà, ça y est. Mais ouais, d'accord, ok. Ah non, mais sérieux. D'accord, et je fais exprès d'être handicapé ou quoi? Bon, allez, hop, ah d'accord, ouais, bah d'accord, ouais, superbe. J'ai envie de dire. Voilà, donc il me paraissait intéressant en fait de pouvoir capturer ce gameplay parce que. Oh oh oh! Ça vous permet de voir en fait tout simplement ce que je fais, les différentes interactions qu'on peut avoir. Bon, moi j'ai pas pris la décision de vous mettre que les passages intéressants de gameplay. Je trouve que, comme je vous l'ai dit, hein, c'est comme si qu'on jouait ensemble dans mes vidéos. Donc, attendez, faut que je regarde le gamepad parce que là j'ai l'impression d'être encore. D'accord, ok. Je pensais qu'il allait mourir, la qui tue, je ne sais plus, enfin celui qui pue. Donc voilà, donc je pense que je vous ferai, à la suite de ça, je vous ferai le prochain level. Donc, je vous ferai en une traite, donc vous verrez bien ce que ça fait, ça fera certainement une vidéo, je pense, d'une heure à peu près. Parce que, bon, en gros, faut d'après ce que j'ai pu regarder, il faut en gros une petite heure... Ouh là là, pour finir à chaque fois les différents levels. Bon, ma foi, c'est pas très très long. Alors hop, on va récupérer ça. Ouais d'accord, ok, super. Alors là, hop, petit secret. Bon là vous voyez, c'est un peu ballot les secrets, c'est toujours un peu comme ça, vous voyez, il y a toujours un petit renfort et voilà. Honnêtement, hop, qu'est-ce que je vais avoir? Oh bah super! Superbe, superbe. Ça me permet. Alors vous voyez, hein, quand je vous disais que c'était cheaté, franchement, et voilà. Et là, vous pouvez faire ça. Donc franchement, c'est franchement l'item le plus cheaté. Je suis désolé hein, de pas avoir trop de conversations, mais comme je vous l'ai dit, c'est vrai que ça fait 3 fois que je refais ce putain de niveau. Donc sérieux, ça me gonfle de le refaire. J'espère que ce coup-ci, ça ira. Je pense que cette vidéo sera assez courte. Je suis désolé. Ah oui, je voulais vous dire également, hein, pourtant que j'y suis, quoi. Ça serait pas mal. Attendez. Oups, désolé. Pour le gamepad, ça a un peu bougé pour vous. Je voulais vous dire qu'il va y avoir peut-être un petit peu de retard du fait de ce problème de disque dur que j'ai eu. Parce que forcément il va falloir que je retourne quelques vidéos. Et bon, moi je ne fais pas que des vidéos de mes journées, hein, malheureusement, j'aimerais bien. Mais j'ai une activité aussi, de boulot. Donc qui me permet pas malheureusement de faire des vidéos, je dirais, il faut que je fasse les vidéos d'avance. Donc, voilà, j'ai du cul d'accord. Si je fais un peu le... J'espère que je vais pas faire le marsouin, parce que... Hop, 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 hop. Non, je vais pas prendre la fleur de glace, ça ne sert à rien. Surtout dans ce level, parce que... Et comme je vous l'ai dit, hein, voilà, vous voyez, ce machin, c'est franchement le truc... c'est franchement le truc cheaté par excellence. Voilà, je vais peut-être le perdre. Alors là, petite astuce... Ah, j'aurais pas... Normalement, vous faites pas le taper, hein. En fait, petite astuce, c'est qu'il faut que vous arrêtez absolument là. Parce que sinon, vous passez pas les boules de feu. Voilà. Vous pouvez également, si vous avez la transformation... Oh non, mais...
Oh, j'ai été trop présomptueux, j'ai envie de dire. Donc, on va le refaire, hein. Bon, ça va, j'étais arrivé au machin. Bon, les niveaux sont ultra courts. Ça, c'est franchement, je suis arrivé à la fin du monde 2, comme vous pouvez voir. Si vous avez suivi mes différents walkthroughs, ben, vous avez pu voir que les niveaux sont très très courts dans ce Mario. J'allais dire, c'est un peu la nouvelle direction artistique. Enfin, direction, je sais pas si je peux dire c'est une direction artistique. Mais disons que c'est. C'est la nouvelle direction qui a été prise pour les Mario, c'est-à-dire il faut en faire pour tout le monde, et voilà, faut faire du Mario, voilà, faut que Pépé, Mémé, enfin bref, faut que n'importe qui, là je vais m'arrêter parce que voilà, je vais me faire niquer, faut que Pépé, Mémé, Papy, enfin bref, tout le monde, faut qu'ils puissent faire un Mario et s'amuser. Bon, mon cœur de joueur me dit que je suis contre ce... Ah mais... J'ai fait franchement l'abruti. Mon cœur de joueur, forcément, ça, quand vous avez fait, moi j'ai fait l'épisode NES, j'ai fait l'épisode Super Nintendo, et bon, c'est vrai que les Mario... Oh, mais merde. Là, je meurs, mais vraiment connement. De toute façon, on s'en fout, hein, les vies, on les récupère comme je sais pas quoi, enfin bon, vous voyez, il me reste 16 vies, mais je vais refaire un peu les levels pour avoir les différentes... différentes pièces étoiles. Il me semble que là j'ai pratiquement tout. Il me semble, enfin, on regardera ça après. Donc mon cœur de joueur me... ça... Non. Oh putain, sérieux. Faut franchement. Et ça m'arrive pas en off. Hein. Sérieux, ça m'arrive pas en off. Alors on a des trucs comme ça qui apparaissent de temps en temps. Je ne sais pas si c'est aléatoire, enfin des messages comme ça qui apparaissent de temps en temps. Je ne sais pas si c'est aléatoire, si c'est dû aux personnes qui sont connectées. Je suppose que c'est dû aux gens qui sont connectés, qui envoient peut-être un message au même moment que je meurs, je ne sais pas. Ce qui fait que bah, je reçois le message du mec qui a envoyé, quoi. Ou de la nana. Donc moi je trouve que c'est sympa, quoi. Ça donne franchement un aspect communautaire très sympa au jeu. Bon. Et oui, je vais en finir, putain, avec sérieux, avec ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Ah non. Ça va encore durer une demi-heure, cette putain de vidéo. Ah, je m'excuse, mais ça m'énerve, quoi. Ça, c'est une vidéo qu'on peut torcher en 15 minutes, quoi. Et voilà, on est déjà, en gros... voilà, le truc cheaté par excellence, hein, bien évidemment. Donc ça vous permet, je sais plus, c'est quand on crève plein de fois... permet de traverser le niveau, il me semble. Alors je l'ai jamais fait parce que j'ai pas envie de le faire, mais je pense que ça permet de traverser le niveau sans crever, quoi. Voilà, il nous amène à la fin du level direct. Donc franchement aucun intérêt de prendre ce genre de truc. Voilà, franchement. Enfin voilà. Ah oui, et qu'est-ce que putain, sérieux, je me perds là, ça doit être horrible à me suivre, je suis désolé, je m'en excuse. Donc je voulais vous dire, voilà, mon cœur de joueur me dit, bah ça me... Ah ouais, une petite astuce, là, on peut faire ça. Et attendez. Et là, on fait ça. Et on se fait protéger. Et si vous vous démerdez bien... Et voilà, on fait du one-up. donc vous pouvez faire ça à foison, hein, il me semble, parce que ça doit ripoper, je pense, quand on est tout niqué. Oh non, mais... Sérieux, quoi, sérieux. Je veux trop me presser, et ça va pas. Donc on va pas se presser, les copains. On va y aller. Ouais, je pense... Attendez, je vais regarder mon audio, ça sera plus simple. On a 18 minutes de vidéo. Oui, parce qu'en fait, je regarde sur l'écran du caméscope, mais... comme j'ai démarré un petit peu la capture avant... Oui, parce que je capture en mini-DV sur le caméscope, donc il y a une résolution max de 480p. Je suis désolé, hein, j'ai pas pu m'acheter un caméscope numérique, comme je le veux, enfin celui que je veux, quoi, tout du moins. Et je préfère un petit peu attendre que d'acheter un caméscope numérique en attente. Parce que ça, j'avais pensé le faire, hein, acheter un petit caméscope à 150 balles pour juste filmer ça. C'est suffisant, je pense. Donc, mais bon, aucun intérêt. Qu'est-ce que je vais en faire après? Voilà, quoi. On va récupérer ça. Allez, c'est parti. Non, si je fais la bêtise. Hop, là, faut s'arrêter, comme je vous l'ai dit, sinon on fait compliquer. Là, on prend nos risques. Hein. Donc là, j'ai perdu pas mal de vie, je vous cache pas, lors de ma première session de jeu. Là, il faut avoir un petit peu de rythme, en fait, tout simplement.
Je vais vous donner une petite astuce également. Alors là, là, là. Hop, voilà. Là, c'est un peu chaud. C'est juste le passage chaud. Alors là, le petit astuce, c'est il faut vous mettre là, à peu près. Quand ça se rapproche, vous faites ça. Bon, j'ai fait crever comme un con. Quand ça se rapproche, vous faites un wall jump, en fait, tout simplement. Et voilà, comme ça. Là, il y a des petits secrets à découvrir. Je vous les laisse les découvrir, franchement. J'ai pas envie de vous spoiler plus que ça. Je pense qu'il y a déjà pas mal de spoils dans mes vidéos. Alors bon, certains diront, ouais, mais bon, tu pourras aller à fond des trucs et tout. Mais ouais, mais non, franchement, j'ai pas trop envie de vous spoiler plus que ça. Et puis, si vous avez envie de prendre le jeu et de voir ce qu'il donne, bah, au moins, vous aurez un petit truc en plus à faire, quoi. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Donc là, c'est le boss. Donc il a les patterns sont pas difficiles, hein, donc voilà. Il a deux attaques, donc envoyé comme ça ou en cloche. Voilà. Quand il envoie, voilà, vous placez à ce niveau-là et vous avez tout le temps d'éviter et de vous passer au-dessus de ces sauts cloche. Donc franchement, il n'y a aucune difficulté. Hein. Voilà, tac, vous faites ça. Le seul truc, c'est être un peu réactif. Là, il faut... là, qu'est-ce qu'il va me faire? Voilà, ouais. Là, j'ai pas trop besoin de bouger, hein, quand même. Hein. Franchement, c'est pas... Là, ils vont envoyer en cloche, je crois. Ah non. Ah, je me suis fait niquer. Bon, bah, comme quoi que... Ah non, mais... Ah d'accord. Non, bah, comme quoi que... Bah, je raconte des fois de la merde. J'espère que je vais pas me faire niquer, parce que franchement, là, ça me ferait chier. Mais bon, bah... Ouais. Sait-on jamais, je sais pas comment ils vont envoyer ça. Ouais, ils vont l'envoyer comme ça. Allez, plus qu'une fois, c'est moi ou toi, mon ami. Peut-être que ça sera moi, je ne sais pas. De toute façon, si c'est moi, je vous mettrai la vidéo en accel. Pour dire que ça soit moins pénible à regarder. Parce que, sérieux, moi je trouve ça. Je pense que ça doit pas être amusant pour vous des fois. Ah, regardez! Bon bah voilà, donc bah écoutez, moi les amis, je vais vous laisser là-dessus, sur ce truc. Ça me saoule, mais grave, là, de mourir comme ça, connement, comme une... Comme un... je sais pas quoi. Donc là, ça me saoule grave. Donc bah, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Déjà, bah... Bon allez, non, je vais... On va le faire, on va se le taper, ce con, là. Hop, on va se faire le truc vert là. Voilà. Alors quand vous connaissez le comment ça fonctionne, c'est franchement, vous avez aucune difficulté à attraper tous les trucs. Hein. Franchement, de toute façon, ce Mario d'une manière générale, pour le moment, je dis, parce que je n'ai pas à découvrir plus que ça. Allez. D'une manière générale, il n'est pas très compliqué. Alors encore une fois, c'est pour le moment, c'est pas, j'ai pas encore fait les autres niveaux du jeu. Mais là, franchement, vous voyez quoi. Je veux dire, il y a quelques passages qui sont un peu chauds. Là, je suis mort comme un, je sais pas quoi, parce que j'ai fait n'importe quoi. Donc forcément, bah, ça, je me fais allumer. Mais sérieusement, il y a rien de dur quoi dans ce Mario, rien de dur. Même si vous voyez crever tout de temps en temps, rien de dur. En plus, bon, là ça m'énerve un peu parce que la vidéo elle dure un peu là, vous voyez. Et alors que j'ai déjà fait, ça fait trois fois que je le bats ce con là, donc. Enfin, je pense que vous pouvez comprendre quoi. La prochaine vidéo sera légèrement, elle sera vraiment mieux puisque en fait, je vais complètement découvrir le niveau comme je vous l'ai toujours dit. Moi, c'est vidéo découverte. Enfin, découverte. Oui, je fais les workflows, je fais le jeu la première fois avec vous. Donc voilà. Donc allez, on est reparti avec ces... Voilà, ça... Voilà. Il faut vous reculer un tout petit peu, voilà, ça... Il faut juste attendre le bon moment, clac. Et là, vous allez voir, je vais pas me faire toucher une fois. Voilà, sérieux. Et il arrive à pas sous-dessus, hein, quand même. C'est un truc de malade. Donc si tape, quand il tape le sol et que... Alors qu'est-ce qu'il y a à faire ? Voilà. Je me concentre un tout petit peu les copains. Voilà, alors s'il tape le sol pendant que... Enfin, si vous êtes au sol et que lui, il retarde moi en même temps, bah, je vais me laisser faire, vous allez voir. On est choqué.
Donc vous allez voir, regardez. Bling. Voilà, on est un petit peu... Voilà, je veux dire, si je crève, je suis vraiment... C'est pas bien grave, puisque... Et voilà, bing. Trois coups, et hop, c'est fini. Bon, bah écoutez, je suis désolé de vous avoir imposé une vidéo un peu fourrave, mais bon, c'est... Non, on va pas publier, on s'en fout. Une autre fois, vous l'avez déjà vu, donc il n'y a aucun intérêt à ce que je vous le remonte. Donc c'est assez récurrent, hein, ce truc de montrer, de publier et tout. On va sauvegarder, bien évidemment. Je vais regarder les... Tiens, si j'ai fait toutes les pièces étoiles sur ce monde, il me semble pas... Ah non, vous voyez, il me manque quelques pièces étoiles. Donc moi, je vais me les faire, là, sur... après. Et puis, on reprendra la vidéo après. Donc, attendez. On va aller directement là. On va faire lire. Et donc là, on a le choix. Donc ça, c'est pas mal, hein. On peut aller vers le bas, vers le haut. Donc Mont Sorbet, bien évidemment, c'est un monde de glace. Hein. Et Mer Mantalo, bah, voilà. Elle a les yeux mentaux. Je m'excuse. Bon allez les copains, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci de votre compréhension. C'est pas vraiment vraiment top cette vidéo, mais je suis désolé, mais voilà quoi. C'était compliqué pour moi de la refaire. Donc voilà, ben, je vous remercie, je vous souhaite un bon jeu hein, si vous jouez, ou je sais pas, ce que vous voulez. Et puis ben, je vous dis à dans deux jours, parce que je uploaderai une vidéo tous les deux jours. Donc là, comme je vous ai dit, il va y avoir un petit flottement dû au mon crash de mon DD. Donc il y aura, là vous aurez donc cette partie donc, de Mario lundi 17. Et donc après, je sais pas si je vais refaire, je pense que ce sera un gameplay d'NFS et vous aurez le walkthrough de code fin de semaine. Ça me laissera le temps de refaire la mission et de monter tout ça. Donc voilà les copains, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à dans deux jours. Allez, bye bye.